Chers compatriotes, chères femmes du Bénin, ce mardi 8 mars 2022, notre pays, à l'instar des États membres des Nations Unies, célèbre la Journée internationale de la femme. Dans ce cadre, le thème retenu cette année au niveau international est l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Le choix de ce terme, qui est un enjeu de développement, traduit la volonté des Nations Unies de voir tous les pays du monde entier réfléchir au problème d'égalité des sexes dans le contexte actuel de changement climatique et de multiplication des risques de catastrophes. Les problèmes liés au changement climatique, aux risques de catastrophes et à la durabilité ont eu et continueront d'avoir des répercussions graves et durable sur l'environnement et sur le développement économique et social, notamment sur la progression socio-économique des femmes. Sur 1,3 milliard de personnes vivant dans la pauvreté dans le monde, 70% sont des femmes. Les effets du changement climatique appauvriront davantage les nations les plus défavorisées de la planète, tout en creusant les clivages sociaux entre les femmes et les hommes. Or, l'Afrique est l'une des régions qui souffre le plus des effets dévastateurs du changement climatique. Déjà vulnérable à d'autres risques, les femmes seront davantage vulnérables aux effets des changements climatiques au regard de leur statut et des rôles qu'elles jouent dans les communautés. Dans notre pays, c'est avec beaucoup de tristesse que nous assistons à certains moments à la souffrance que des inondations liées au changement climatique infligent à des milliers de femmes qui, face à ce sinistre, doivent se battre d'abord pour échapper à la furie des eaux, ensuite pour survivre, et ceci avec l'aide des services compétents de l'État. Parfois, c'est la raréfaction des pluies du fait du dérèglement climatique qui plombe les efforts et le dur labeur des femmes rurales qui n'ont pour moyen de subsistance que les fruits de l'agriculture familiale qui se trouvent hypothéqués par une pluviométrie absente ou insuffisante, privant ainsi des mères de famille et leurs enfants de quoi se nourrir. Des situations éprouvantes et qui nous interpellent à plusieurs égards. Comme si cela ne suffisait pas, les temps inhabituels de sécheresse sauvage, avec son corollaire de chaleur intense, manifestation évidente des changements climatiques, provoquent aussi des incendies qui ravagent des marchés aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain, détruisant ainsi le commerce de plusieurs femmes qui doivent se remettre à la solidarité nationale pour reprendre timidement leur activité génératrice de revenus. C'est le lourd tribut que payent les femmes du fait des changements climatiques. Les inégalités basées sur le sexe, si elles ne sont pas corrigées, risquent d'aggraver la vulnérabilité des femmes au changement climatique. L'égalité est donc l'une des conditions à réaliser pour réduire les souffrances des femmes et renforcer leur adaptabilité au changement climatique. S'il est vrai qu'il y a peu de statistiques en Afrique, et notamment au Bénin, sur les actions menées par les femmes à propos de l'adaptation au changement climatique, il existe cependant des initiatives communautaires et nationales qui montrent que les femmes ne restent pas totalement en dehors de la question. Nous célébrons toutes les femmes engagées au quotidien dans cette adaptation. Il s'agit de nous engager collectivement sur trois axes: le renforcement et la valorisation du pouvoir d'agir des femmes. Cela se traduit dans notre pays
par l'arsenal juridique en faveur des droits des femmes, renforcé ces dernières années par les textes pris par le gouvernement du président Patrice Talon dans ce sens, ainsi que les programmes de renforcement de l'autonomisation économique des femmes et leur protection sociale inscrits dans le PAG2 2021-2026. Ce travail continuera certainement. La promotion de la présence des femmes dans les instances de prise de décision sur les questions liées au changement climatique, car il s'agit d'un sujet éminemment politique qui porte de nombreux enjeux géostratégiques. La promotion de l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable ne suffira pas sans la présence effective et durable des femmes dans les débats politiques, tant au niveau local qu'au niveau national. Leurs expériences et leurs besoins méritent d'être pris en compte. Et enfin, le dernier axe, c'est la nécessaire contextualisation des solutions. Le changement climatique est un problème mondial qui dépasse les limites territoriales des États. Pour ce faire, les enjeux qu'il porte, les solutions préconisées et les mécanismes développés transcendent les limites territoriales et se globalisent, facilitant ainsi la conception de politiques et d'actions publiques harmonieuses. Il reste important de vérifier si ces solutions sont adaptées aux réalités et notamment aux réalités des femmes. Cette journée, plutôt que d'être festive, permet de réfléchir sur ces différents axes. L'Institut national de la femme prendra langue avec toutes les structures étatiques et toutes les organisations de la société civile qui s'investissent dans le domaine. Nous nous tenons donc prêts à accueillir les différentes contributions et à les capitaliser. Je nous souhaite une bonne journée d'évaluation de nos acquis et des défis encore à relever. Vive l'égalité des femmes aujourd'hui pour un avenir durable. Vive le bénin des femmes et hommes égaux en droit et en devoir. Je vous remercie.